Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une séance gym douce, vraiment adaptée, des mouvements vraiment tranquilles. Donc faites bien la séance au maximum. On va commencer par l'échauffement, je vais aller mettre la musique un peu plus fort. Un petit échauffement tranquille. Allez, bonne séance. Allez, c'est parti, on marche. Lever les bras et redescend. Encore. Descend. Écarte comme serre sur place. Allez, on rentre bien le ventre. Tirez bien les coudes derrière. On vient pointer sur le côté. Allez, on réfléchit et pousse. Encore. On va rajouter, on va venir monter les épaules en même temps. Voilà. Allez, on vient tourner les épaules. On tourne un bras et l'autre. Les deux. On reprend les quatre. Tranquille. Encore. Allez, on vient pointer derrière cette fois-ci. Allez, tire bien les coudes derrière, on monte le ventre à fond. Encore, point derrière. Talons fesses. On va changer mon plus joli. Allez, continue à monter genoux. On va reprendre le talon fesse et on va pousser les bras devant. Allez, on continue, on s'accroche, les bras en haut. Un peu de coordination. On reprend deux fois. En haut. Allez, dernière série, devant. En haut. On reprend et quatre serres sur place. On plie, on prend pas loin des deux. Bien. Allez, continue. Tire les coudes derrière. On va rajouter les deux bras devant. Encore. Et on termine les bras en haut. Allez, encore 8 et terminé pour les chauffes. 4, 5, 6, 7, ok, on marche. Alors, l'échauffement est terminé. Vous pouvez aller prendre une chaise, votre bouteille d'eau et on va continuer à travailler le renfort. Alors, on va commencer le travail des bras. Donc, je vous montre juste la posture au niveau du bassin. On rétroverse bien le bassin. On a les jambes légèrement fléchies, le ventre rentré et on se grandit. Alors, on va venir lever les bras sur le côté.
dans cette posture-là, les bras légèrement fléchis et on redescend. On y va bien à son rythme. Inspire bien. Et on souffle. Allez, encore. Allez, on continue. On pense à contracter les fessiers, on ne relâche pas. Rentrez le ventre à fond. Un dernier. On va garder les bras en maintien sur le côté. Quatre ronds dans un sens. Quatre de l'autre sens. On vient relâcher. Cette fois-ci, on va passer les bras devant. Et on revient au niveau des cuisses. Allez, encore. Voilà. Toujours à son rythme, sans forcer. Encore. Un dernier et maintien. Quatre ronds dans un sens. Quatre de l'autre sens. On garde les bras devant, on va venir faire des petits croisillons devant. Gardez bien les fessiers serrés, le ventre rentré, on ne relâche pas du tout au niveau de la posture. Le même exercice en descendant. Et on remonte. 1, 2, 3. Encore, redescend. 1. On remonte. Encore. Allez, remonte. Descend. Encore. On reprend en ouverture sur le côté. Allez, on lâche pas, on essaie de bien tenir la série. On garde les bras sur le côté, on tourne les mains. On ramène flexion, ici on fléchit et on revient légèrement tendu. Attention à son placement, le ventre rentré toujours, les fessiers serrés. Allez, on continue. On alterne d'un côté et de l'autre. Encore. On garde les bras fléchis. Dans cette posture-là, on vient serrer devant et on ouvre sur le côté. Encore. Allez, à son rythme, on ne force pas. On garde les bras devant et on reprend comme tout à l'heure. On détend et on fléchit. On évite de tendre à fond. Fais attention à l'articulation des coudes. On alterne un bras et l'autre. Allez, on tient, c'est la dernière série et ensuite on viendra travailler l'équilibre, on travaillera les mollets et les quadriceps. On relâche et terminé pour la série des bras. Prenez le temps de boire un coup, je vais vous demander de prendre une chaise ou alors de vous appuyer contre un mur s'il y a besoin. L'équilibre, on n'hésite pas à s'appuyer sur la chaise. On va venir travailler les mollets et on va alterner avec une série aussi pour les cuisses. On commence par les mollets. Donc les pieds bien serrés pour l'instant, on serre les fessiers, on rentre le ventre et on est bien droit. On va venir lever les talons
et on redescend. Voilà. Toujours à son rythme, on commence bien à souffler. Et j'inspire, je prends mon temps. Si on n'a pas besoin de se tenir à la chaise, il n'y a pas de souci, on adapte. Alors pour l'équilibre, fixez bien un point loin devant, au sol, ou loin devant, comme vous préférez. Si on a besoin pour l'équilibre, on ne prend pas de risque et on se tient à la chaise. On reste en maintien les talons levés. On va alterner sans reposer les talons. Allez, encore. Et on relâche dans cette posture-là. On vient lever le genou et redescend sans reposer le pied au sol. Attention à rester bien aligné le genou et la hanche. Pointe de pied. Bien flex, hein, elle n'est pas toute tendue. Hop. Voilà. On monte et redescend. On reste le dos bien droit, le ventre peut rentrer. Encore. On garde le genou levé. Des petits mouvements. On relâche et on reprend pour la série des mollets, celle qu'on vient de faire à l'instant. On monte sur les pointes et redescend. On tracte bien les fesses. Allez. Si ça chauffe un peu, on essaie de tenir quand même, d'aller jusqu'au bout de la série, on résiste. On reste les talons levés. Et on reprend en alterné comme tout à l'heure. Encore. On relâche. Et on va enchaîner notre jambe pour les cuisses. Bien levé. Et on redescend sans reposer le pied au sol. On garde la jambe levée. Allez, se grandir, tenir. Des petits mouvements. On relâche. On viendra écarter légèrement les pieds. On reprend pour le travail des mollets. Bien levé et redescend. Voilà. S'il n'y a pas besoin, on ne se tient pas à la chaise. Dernier et on reste en maintien. Allez, on essaie de tenir, on n'hésite pas à se rapprocher à la chaise. Des petits mouvements cette fois-ci. Et on relâche. Alors, on va continuer le travail des cuisses en alternance avec les mollets. On vient lever, jambes tendues. Attention à la pointe de pied qui est bien flex, bien ramenée vers vous. Dans cette posture-là, on va faire 4 ronds dans un sens. 4 de l'autre sens. On relâche. Et la deuxième série, pieds écartés parallèles pour les mollets. Allez, on contracte les fessiers, on contracte les abdos et c'est parti. Fixez un point loin devant. Des petits mouvements. On relâche. Et on enchaîne la
deuxième série. L'autre jambe. Allez, bien levé et redescend. On garde la jambe levée. On reprend les ronds comme tout à l'heure. 4 dans un sens. 4 de l'autre sens. On relâche. On va faire une dernière série pour les mollets et les cuisses. Et après, on terminera par un petit peu d'étirement pour clôturer la séance. Pointe de pied en ouverture. Les abdos sont contractés, les fessiers aussi. On vient lever. Si on a besoin de se tenir, on n'hésite pas. Assez, on vient le temps de souffler et d'inspirer. On reste sur les pointes. Et on reprend comme tout à l'heure, on alterne d'un côté et de l'autre. Allez. On relâche. Allez. On viendra monter la jambe sur le côté et revient. Attention à ne pas monter la pointe de pied vers le plafond. On essaie de rester aligné et parallèle à l'autre pied. On ne monte pas trop haut, on reste bien droit. Attention à ne pas basculer les épaules, restez bien au-dessus du bassin. Si on n'a pas besoin de se tenir à la chaise, on relâche. On garde la jambe levée. Des petits mouvements. La dernière série pour les mollets, pointe de pied en ouverture, on vient lever et redescend. Allez, on n'oublie pas de bien se replacer, on contracte bien les abdos et les fessiers. Un dernier et maintien. On alterne d'un côté et de l'autre. On y va doucement. On relâche. Et la dernière série pour travailler les cuisses, les adducteurs. Allez, on vient lever sur le côté. On fait attention à son placement. Les épaules au-dessus du bassin. Reste en maintien. Les petits mouvements pour terminer. Et on relâche. Voilà, on va terminer pour le renforcement. Gardez la chaise, prenez le temps de boire un coup. On va juste terminer la séance par quelques petits étirements. Alors, en restant en appui à la chaise, on va venir attraper la cheville ou le pied et on ramène le talon vers les fessiers. On essaie de bien se grandir en gardant bien la posture. On relâche, on va venir poser le talon devant. On remonte la pointe de pied, l'autre jambe est fléchie et on pousse les fessiers vers l'arrière. On essaie de garder le dos bien droit et simplement remonter la pointe de pied. Pour étirer vos mollets que normalement vous avez bien travaillé. On relâche, on changera de côté, donc n'hésitez pas à vous retourner et ramener. Voilà, on attrape. Voilà, prenez bien appui sur la chaise. On viendra poser le talon au sol, voilà.
pousser bien les fessiers vers l'arrière. On relâche, on va venir écarter les jambes légèrement fléchies. On vient monter les épaules, on inspire. On pousse devant, on va rentrer le ventre et la tête. On grandit, on inspire. On relâche. Et voilà, la séance est terminée. Donc, c'était une séance vraiment gymnastique douce. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois par semaine si vous avez besoin. J'espère que vous avez pris plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Merci.